C'est compliqué parce que on n'a pas le retour des élèves à l'instant T. D'habitude, quand on fait un cours, les élèves sont là, ils réagissent avec nous, on interréagit, le cours se construit ensemble. Là, on construit seul le cours, il l'emmagasine, enfin, il l'ont seul à la maison. Ils nous donnent quelques retours, mais on a du mal à savoir ce qu'ils en gardent réellement. On envoie des exercices, on envoie des bouts de leçons et on leur demande de nous renvoyer les exercices. Et pour chaque élève qui renvoie, on fait une correction personnalisée. On essaie de maintenir le lien avec tout le monde. Les chefs d'établissement rappellent les élèves qui tardent à se connecter ou qui ne se connectent pas régulièrement. Donc nous-mêmes, on essaie de les récupérer en ce qui nous rend des devoirs. Après, bien évidemment, hein, que ça n'améliorera pas les inégalités. Ça, c'est certain.